Les acteurs de l'acte de construire ont déjà pris en compte cette problématique du climat de notre région avec la mise en place d'une démarche BDM, donc bâtiment durable méditerranéen, que nous essayons de mettre en œuvre dans nos projets pour prendre en compte justement les spécificités de notre climat. Néanmoins, le climat évolue de manière très rapide avec les changements que nous connaissons tous. Et donc, nous pensons nécessaire de réfléchir à des solutions diverses, des solutions innovantes, des solutions complémentaires que nous pourrions mettre en œuvre pour justement faire face à ce défi. Un des objectifs de ce hackathon, c'est que les réflexions que nous menons en commun puissent provoquer, puissent sortir un peu du cadre habituel dans lequel nous fonctionnons et donc générer des idées innovantes et générer des idées qui, nous l'espérons, pourraient être mises en œuvre très rapidement dans nos projets. C'est la première fois que je fais un hackathon. Et c'est l'école en fait nous a proposé de pouvoir y participer. On a été sélectionnés, on est 3 étudiants et en fait on nous l'a présenté vraiment comme un brainstorming entre professionnels, étudiants sur la question justement des solutions climatiques. Et j'ai trouvé que c'était un exercice vraiment très très intéressant et c'est surtout pouvoir se mélanger avec plusieurs cerveaux et plusieurs niveaux. Donc c'est super intéressant. Il y a une manière de travailler collaborative qui est assez facile et assez évidente en fait. Voilà. Après les thématiques, il y a des thématiques qui ont émergé sur à la fois le jeu des acteurs, sur les questions réglementaires, sur les questions économiques.